Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans un endroit secret. Secret pourquoi? Parce qu'on est quelques jours avant la révélation d'une toute nouvelle voiture. Alors, pas forcément une toute nouvelle voiture, mais vous allez voir que quand je dis ça, c'est pas non plus. Je pèse mes mots. Pourquoi je dis toute nouvelle? Parce que là, si vous avez l'impression que c'est une capture comme une autre, si vous avez l'œil, vous allez commencer à comprendre qu'il y a des grosses évolutions, mais là où c'est le plus flagrant, c'est ici, sur cette face avant. Regardez bien. Et oui, cette capture, ce lifting de capture, transfigure totalement le modèle. Aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Il abandonne tout le style qui faisait la caractéristique du capture et des modèles d'il y a déjà quelques temps, hein, avec par exemple les feux en crochet. Ça c'est fini. Regardez bien là, cette face avant, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Scénic. Et sachez que cette face avant là, caractéristique, ça va se retrouver sur tous les modèles Renault d'ici peu de temps. Et franchement, ça n'a pas de la gueule, c'est pas un peu plus sportif, c'est pas un peu plus dynamique ça? Non? Et en sachant que c'est quand même la même capture que l'ancienne. Hein. Donc vous avez les mêmes moteurs, donc vous allez retrouver le moteur turbo essence de 90 chevaux, vous allez retrouver le 1,3 litre TCE de 160 chevaux, vous allez retrouver le 1 litre carburant GPL, oui, parce que ça on l'oublie souvent, mais Renault a aussi le GPL, hein. Il ne s'est pas que réservé à Dacia, donc le GPL à 100 chevaux, et comme dans notre version, vous allez avoir l'E-Tech, le fameux hybride, full hybride, 140 chevaux. Sur le capot, vu qu'on change la face, eh ben on change quoi? On change aussi la gamme. Et la gamme, aujourd'hui, s'agrémente d'un esprit alpine. Eh oui, comme ses grandes sœurs Austral, Espace, vous allez droit, maintenant, à un vrai look sportif qui s'accommode très très bien avec ses énormes jantes. Vous avez l'impression que c'est du 22 pouces? Non, c'est du 19, mais elles sont vraiment superbement lookées avec là le petit monogramme ici alpine qui en jette vraiment. Moi, j'adore là le petit afléché de la superbe couleur alpine. Et donc, vous avez tout un esprit donc sportif en plus qu'il n'y avait pas forcément dans l'ancienne génération. Le RS-Line n'était pas aussi joli, je trouve. Alors, si on refait le récapitulatif de tout ce qui a été modifié. On va commencer par la poupe. Les feux, sachez qu'en soi, on a l'impression que c'est quasiment les mêmes, mais en réalité, ils sont largement plus travaillés. Là, ici, vous avez une ligne, là, énormément travaillée. Ce sont des feux à LED. Et ça, c'est vraiment tout nouveau. Et mine de rien, ça attire l'œil. C'est comme des petits diamants. C'est assez joli. La structure en soi est presque pas modifiée, sauf que ici, cette partie-là a été largement revue. Donc, c'est surtout ce ski qui devient gris. En réalité, c'est pour couper de l'apparence avec le noir. Donc là, vous avez vraiment trois couleurs et ça donne une stature vraiment très orientale. Ça donne vraiment du muscle. Évidemment, il intègre le nouveau logo Renault parce qu'on était encore sur l'ancienne génération de logo. Bon, ok, à l'arrière, il y a une petite boursouflure là. C'est quoi? C'est la caméra. C'est pas très, très, très joli. J'aurais préféré qu'il soit un peu mieux masqué là. Ouais, ça, c'est le gros défaut, je trouve, de la voiture. On revoit quand même un petit peu à l'avant parce que quand je vous parle de ski arrière, donc là qui est gris, vous l'avez aussi ici. C'est pour donner vraiment une homogénéité au modèle. Regardez là, il est là. Et d'ailleurs, sachez que si la voiture fait quasiment la même longueur, il y a quelques millimètres en plus, c'est dû justement à ce ski qui pousse un petit peu la taille de ce nouveau capture. Mais on voit très bien que ça intègre toujours les radars. Mais moi, j'adore ici. Hein. Faisons un point sur la calandre. Parce que la calandre, donc, on intègre évidemment le nouveau logo. Et vous avez ici là, cette petite structure dynamique voilà, qui s'efface petit à petit pour arriver donc, sur ces nouveaux feux à LED, là aussi, qui sont aussi tout nouveaux. Tout est nouveau sur cette voiture-là. Regardez, hop, la structure ici. Le capot est un peu plus horizontal. Mais le plus important sur cette face avant, c'est la signature lumineuse. Donc là, on retrouve là aussi l'esprit qu'on a sur, sur le Scénic. Mais sachez que là, la signature, elle est spécifique aux captures. Aujourd'hui, si on garde l'esprit
du demi losange. Donc on a l'impression que c'est un demi logo Renault. C'est-à-dire que si vous additionnez les deux, vous avez hop le logo Renault. L'intérieur, là, des LED, la signature lumineuse est caractéristique à chaque modèle. Il n'y aura pas de copie. Donc celui-là ne sera pas copié par un autre modèle. Donc c'est là-dessus qu'on va surtout repérer les modèles Renault dans le futur. Bon, moi j'ai envie de passer à l'intérieur parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'il faut quand même dire, parce que l'évolution ne se fait pas que par le style, elle se fait aussi à l'intérieur. Tu rentres dedans? Vas-y, moi je passe de l'autre côté. Car ce qu'il est important de savoir, c'est que Renault a énormément travaillé donc cet habitacle. Évidemment, il n'y a pas d'énormes révolutions, ce sont des grosses évolutions. Donc vous avez aujourd'hui un compteur digital de plus de 10 pouces qui est évidemment modulable et configurable à souhait. Donc là, on est passé du GPS aux assistances et on peut passer à un compteur un peu plus classique. Super important. Moi, évidemment, j'adore celui-ci là, le grand classique, où en effet, on va passer au GPS. Et à savoir que ce GPS là, si le graphisme vous dit quelque chose, et ben c'est pas anodin, puisque ce nouvel écran central multimédia, eh ben, il est aujourd'hui couplé au système de Google, comme sur Scénic, comme sur Austral, comme sur Espace. C'est juste le meilleur système multimédia, parce qu'il suffit d'avoir un compte Google et vous transférez tout dedans. Vous n'avez pas besoin de brancher quoi que ce soit. Tout est intégré dedans. Et on peut faire, vous allez voir qu'il est ultra dynamique, ultra responsive. Vous avez vos applications, donc Android Auto, Apple CarPlay, si vous voulez vraiment les connecter comme ça. Mais donc évidemment, vous avez Maps. Vous allez pouvoir avoir des jeux, Waze. C'est simple, il y a tellement de choses dedans que si je vous dis que c'est juste le meilleur, c'est juste le meilleur pied. Un point, c'est tout. Non, il est ultra réactif, c'est vraiment top. L'ergonomie reste plutôt assez simple. Hein. Vous avez toujours ici cette bande pour la ventilation, donc ça c'est bien, on peut mettre auto, on peut hop l'éteindre d'un coup, comme ça, vous avez le droit au siège chauffant, donc quand vous avez l'option. Et la finition donc esprit alpine qui se démarque vraiment des autres, moi ce que j'apprécie énormément, c'est évidemment les sièges, la sellerie. Regardez-moi ça. Vous avez des surpiqûres bleues et blanches un peu partout. À savoir que ce sont pas du, c'est pas du cuir, hein, c'est du tep, donc c'est du plastique recyclé, donc c'est vraiment très très bien. L'avantage, c'est que ça se lit moins, ça se lave plus facilement. Et là, vous avez des monogrammes alpines en plein centre, là, c'est magnifique. Pour un véhicule de la gamme, c'est juste vraiment, ça donne vraiment un esprit sport. Le petit flag français, ça c'est génial, j'adore. Non, ils mettent vraiment en avant le côté français et ils ont tout à fait raison parce que on peut être fier, on sait faire certaines choses. Moi, je sais que Julien a tilté totalement parce que là, il est contorsionné sur le volant. Parce que là, vous regardez, vous avez des surpiqûres bleu, blanc, rouge. C'est pas beau, ça? J'adore. Après, notre chère Captur conserve ses atouts. C'est-à-dire que ça reste un SUV compact, pas trop lourd. Bien motorisé, vous avez beaucoup d'espace, dont la fameuse banquette arrière qui est toujours coulissante sur plus de 10 cm, donc qui permet de faire croître l'espace aux jambes ou des bagages à volonté. Moi, ce qui me reste, c'est vraiment d'en prendre le volant pour voir s'il y a eu des petits changements, surtout au niveau du châssis. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'au niveau du look, le Captur est vraiment... a changé de dimension. Il est vraiment aujourd'hui beaucoup plus moderne, beaucoup plus looké. Moi, je ne peux que apprécier et aimer ce nouvel opus du Captur, tout en sachant que, attention, ce n'est qu'un lifting, hein. Un gros lifting, mais c'est un lifting. Voilà, c'est ça le nouveau Renault, le Renault qui va plaire à tout le monde. Et ils sont forts. Bon, nous, on se donne rendez-vous donc sur la route automobile, parce que vous avez Julien qui a fait toute une série de photos. On va vous donner un peu plus d'explications sur, en effet, les moteurs, les puissances et toutes ces choses-là qui sont donc des passages un peu techniques grâce aux fiches techniques. Et n'oubliez pas, hein, parce que nous, on nous a promis que les essais sont pour juin. Donc rendez-vous en juin si vous voulez en savoir plus. On pourra vous donner un peu plus d'explications au niveau technique et sur la tenue route. Allez, à plus, ciao, ciao!
le petit bonus, le bonus track, les gars. Bon, là, vous avez compris, c'est l'esprit alpine. Hein. Ok, bon, on va voir tout de suite la techno. Une gamme juste en dessous. Viens, viens, viens. Et voilà. Et ben, c'est pas si mal. Hein. Moi, surtout, j'aime beaucoup la couleur blanche, là. Ça lui va très bien. Ça remet tout en perspective, là. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, la techno, c'est juste donc, une gamme en dessous. Mais elle est vraiment lookée aussi. Hein. Là, vous avez la bicoloration, donc avec cette jolie teinte qui se marie parfaitement avec le blanc. Sinon, grosso modo, sur le reste, on est à peu près donc assez similaire. Hein. Donc là, vous avez plus le ski gris, comme sur l'Alpine. Mais vous avez les mêmes feux, les mêmes optiques à l'avant. Là, le truc qui est peut-être le moins élégant, ce sont ces jantes qui sont, mine de rien, ça va, c'est suffisant, mais on n'est pas sur le côté ultra dynamique qu'on a sur l'Alpine. Et l'intérieur, évidemment, ça change un peu, mais ça reste très élégant. Moi, j'aime beaucoup, là, c'est tissu gris, petite gâterie, là. Vous avez un logo Renault en surimpression. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fini, non? Et surtout, on conserve toujours le Google à l'intérieur, les gars. Ouais. Alors, vous en pensez quoi de cette version techno? Bah, moi, je la trouve pas mal. Hein. Mais moi, de face avant, là, me fait vraiment la penser au Scénic qu'on a l'habitude de voir en blanc. Là, on est vraiment très proche du Scénic. Là, l'inspiration se voit encore plus. Bon, allez, pour en savoir plus, hein, n'oubliez pas, allez sur la revue automobile. Ciao, ciao!